Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. Là aujourd'hui je suis à la bourre. En fait on avait mis notre réveil à 8h pour se préparer parce que j'aurais bien aimé aller à la plage quand il n'y a personne pour pouvoir prendre quelques photos sympas parce qu'il y a vraiment beaucoup 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 trop de monde à la plage en ce moment quand il fait beau. Donc on s'est levé, il était 9h. Là on est en train de se préparer. Je pense qu'il y aura quand même des personnes là qui seront allées à la plage. Après, il fait un peu froid, donc je compte sur le froid, sur le vent et la fin des vacances pour que on puisse avoir la plage pratiquement pour nous tout seuls, pour qu'on puisse faire des photos sympas. Sinon, bah tant pis pour les Du photos. coup, on a pu aller à la plage et en effet, il n'y avait personne, donc on a eu de la chance. Heureusement que finalement, qu'on y a été plus tard parce que du coup, il faisait super, super, super froid. Il y avait vraiment trop de vent. Et là, du coup, on profite qu'il fasse pas trop chaud, vu que c'est le dernier jour des vacances, pour aller au Castellet se balader. Donc, on va faire un petit tour tranquillement et puis après, je pense qu'on rentrera et on profitera un peu de la piscine. Donc du coup là on est en train de partir du Castellet. Donc on a fait une boutique, je sais plus du tout le nom de la boutique où j'ai trouvé des pierres. En fait à la base je voulais aller dans une boutique qu'on avait vue il y a 6 ans, justement qui vendait des jeux de tarot, des pierres, ce genre de choses. Et j'ai rien trouvé qui m'intéressait. Et en fait quand je lui ai posé la question pour la dioptase, parce que la dioptase en rapport avec mon journal d'intention, je sais pas si là la vidéo sortira avant ou après, mais en gros, je voulais chercher de la dioptase et apparemment c'est hyper rare à trouver et les vendeurs arrivent pas en fait à connaissent pas forcément et du coup encore moins. Et du coup là donc elle m'a dit que son mari avait de la dioptase, donc j'étais voir, j'ai trouvé un collier avec de la dioptase et de la malachite parce qu'en fait c'est tellement rare que en règle générale c'est associé à une autre pierre en même temps. Et puis au passage quand il était en train de chercher j'ai vu qu'il avait des gros pendentifs et du coup je me suis pris une grosse pierre de lune qui est trop trop belle. Et puis après on a croisé un stand de fougasse, du coup on s'est pris Julien il a pris, merde en plus j'ai même pas pris en vidéo. Du coup, quand on était en train de manger, j'avais tellement envie de manger, j'ai commencé à avoir faim, que du coup, j'ai même pas pris en vidéo. J'ai juste pris la même vidéo en fougasse, juste avant là, de tourner. Donc moi, j'ai pris une fougasse garnie raclette lard. Et Julien, il a pris un pain façon pain bagnat, pareil avec raclette lard. Et c'était trop bon, c'était trop trop bon. Bon, par contre, la fougasse, elle est quand même énorme. Je pense qu'elle est plus pour deux personnes que pour une, en tout cas pour nous. Là il est 13h, du coup direction chez la grand-mère, comme ça je vais rester 1 heure chez ma grand-mère parce qu'après on repart demain et je suis pas sûre qu'on ait le temps de repasser d'ici là. Et puis après on rentrera à la maison et on profitera un petit peu de la piscine. Donc là, après l'après-midi piscine, on est parti faire des photos au coucher de soleil. Et du coup, j'avais pris une autre robe. Donc celle-ci, je l'ai mise dans la voiture. Paye ta vie de youtubeuse. Mais oui, je voulais faire des photos absolument pendant le coucher du soleil avec une robe en particulier. Je trouvais ça juste magnifique. Et en plus, j'ai eu tellement de chance, vu qu'aujourd'hui, il y a du vent. Vu que c'est la fin des vacances, il n'y a
personne, nulle part. On peut faire des bêtes de photos en fait avec personne dans les parages pour être sur les photos. Donc ça c'est cool. Et là, maintenant, je me suis changée et puis bah du coup on va aller manger au resto. On va manger des fruits de mer. Et aujourd'hui là j'ai mis du coup la pierre que je me suis achetée tout à l'heure, la dioptase. Bon, du coup, je vous laisse, on va aller manger et puis. Et puis je vous reprends peut-être après. Bon, du coup, là, on vient de rentrer du resto. J'ai trop mangé. J'ai été plus loin que mon rassasiement. Parce qu'en fait, j'ai pris beaucoup trop, une fois de plus. J'ai ma peur de manquer qui a pris le dessus, comme d'habitude. Donc, j'ai laissé quelques trucs. Mais étant donné que ça m'embêtait, parce que là, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de gâchis par rapport à ce que je laisse d'habitude. Et je pense que c'est lié à 4 pâtisseries que j'ai mangées dans l'après-midi. Parce que j'ai mangé un mini millefeuille et trois mini comme ça, tartelettes à la fraise avec une fraise dessus. Et je pense que j'avais envie de manger, j'étais dans une petite faim. Et du coup, j'ai pris de trop grosses quantités par rapport à ma faim. Donc, j'ai finalement demandé un doggy bag. Ils ont gentiment accepté de m'en faire un et de me rajouter un petit pot de maillot avec, comme ça demain midi, dans les restes, on mangera ça. Et puis au pire, si je finis pas, on jettera les restes parce qu'on pourra pas les utiliser. Ça fait déjà 2-3 jours qu'il y a des restes là dans le frigo. Donc demain, on fera pas la route avec. Là, il y a le monsieur chez qui on a pris la location Airbnb qui nous a dit aujourd'hui qu'il acceptait qu'on reste quelques heures de plus, parce que normalement on devait rendre la location à 11h. Et donc apparemment, il n'y a pas de personne après nous qui prenne la location. Donc, au lieu de partir à 11h, il y a plus de chances qu'on parte vers 13-14h. Et après on enchaînera avec peut-être une heure de plage. Et après on prendra la route pour aller en Auvergne, finir les vacances. Et donc là, on vient de rentrer et on est en train de commencer à ranger la location. Julien est en train de regarder les photos qu'il a prises depuis tout à l'heure et moi je suis en train de commencer à ranger la location pour qu'on ait moins de choses à faire demain. Donc je pense que je vais devoir commencer à dégonfler Lily la licorne. Je sais pas si je m'en occupe demain ou aujourd'hui. Peut-être que demain je voudrais m'en servir encore un peu. Je sais pas. Je pense que je vais quand même la garder pour demain. Sinon la piscine elle sera un peu triste sans Lily la licorne. Et je vais commencer à ranger un petit peu tout le reste. Et après, au dodo. Donc du coup, je vais couper ce vlog là pour que je puisse prendre le temps de ranger tranquillement et partir me coucher direct. Et puis, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié celle-là, je vous laisse la liker et vous abonner si c'est toujours pas fait.